entre oxyde des Vega et ADN. Tu veux pas essayer de sponsoriser le tournoi? Donc tu peux laisser l'oxyde en attaque et sur maison aussi. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses pas qu'il faudrait qu'on essaie de sponsoriser le tournoi Artaïque? Mais déjà sponsorisé, non? Ouais, c'est bien, c'est ce que je pensais aussi. Okay. On a quand même des monstres qui sponsorisent l'event. Oui, c'est vrai. Tu m'as dit, j'écoutais pas du tout en revanche. Super. Oxyde en attaque et sur maison. Oxyde en attaque. Ok, c'est bon. Et sur maison. Ok, c'est bon. Tout... Merci pour... Pour la prof, Evil Coyote. Wow. Love it. Money for the Salty Academy. Tiens ta tune et arrête de casser les couilles. Nano, ça, non? Un petit peu de beurre salé dans les épinards. Bon, ça... Est-ce que ça pourra compenser d'un point de vue à la prod? Est-ce que ça pourra compenser le fait que j'étais un peu un enculé ces deux derniers jours, tu penses? On verra ça. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Écoute, c'est simple. Non, 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 Artaïque, écoute, je vais te dire un truc. Moi, je suis un gros fils de pute, ok? Donc, moi, si je vous donne la thune qui est au-dessus de moi, vous m'excusez de temps en temps d'être un peu stressé et de vous mettre des petites bastos, ok? Si vous voulez pas accepter mes excuses, pas de problème, ok? Mais thune. Je garde la thune. C'est ça. Je vais au pute avec. Ah ouais, j'ai rien à branler. Ok, ok. Alors, on accepte tes excuses avec la thune. Ok, merci. Et après, il dira, vas-y. Ok, envoyez plein de GG s'il vous plaît pour Evil Coyote qui vient de donner 10 balles et qui aide du coup à faire ce genre d'event. Envoyez plein de GG s'il vous plaît pour Tripo qui vient de donner 10 euros pour soutenir les amis justement. Et envoyez plein de GG pour les 200 euros qui viennent d'être jeûnés. Très probablement pour Nano. C'est pour la prod la thune, 6-4. Ah bah oui, là c'est pas pour moi là. J'ai marqué au-dessus de moi mec. Ça part pour la prod. Hein. Là je donne tout à Artaïque. Hein. Vas-y les mecs, on essaie de faire le truc communautaire et on vient de nous donner de l'argent, ok? J'essaie de faire mon métier, espèce de petit fils de pute ADN. Vous êtes prêts? Ouais, excuse-moi, nous sommes prêts. Ouais. Ça va, Oxyde? On a une petite surprise pour le premier round, après ça repart en normal. Comment ça, vous avez une surprise? Oxyde, ça va ou pas? Ah, bien sûr que ça va. Est-ce que tu penses que tu vas défoncer ADN? Ah, moi j'ai aucune prétention, hein. Dans le chat, il y a zéro personne qui pense que tu vas défoncer ADN. Ah, logique, il a plus d'expérience que moi, il est peut-être meilleur que moi aussi individuellement. Fais gaffe, ADN, il aime bien faire ça. Il essaie d'être ton pote en disant « Non, ça veut rien dire, franchement, t'es meilleur que moi et tout. » Et derrière, il t'encule. Te laisse pas avoir, Oxyde, ok? Nique-le, s'il te plaît. C'est le frérot. Non, c'est un frérot de rien du tout. Allez, have fun. C'est un enfoiré, Six. Un peu, ouais. Bon, en tout cas, merci infiniment. Envoyez plein de GG, s'il vous plaît. Spammez dans le chat des GG et des cœurs pour Evil Coyote, qui est dans le chat. Pour Nano, qui est dans le chat. C'est lui, les 200 euros, les amis, qui sont partis pour la prod. Et merci à Tripo, qui a lâché 10 balles. Merci Yud aussi pour les 1 euro. Ça aide énormément. Merci les poulets, vraiment. Parce que là, c'est pas pour ma gueule. C'est pour la prod qui, depuis 3 jours et même avant... Mais surtout, ces 3 derniers jours, s'en est pris un peu plein la tronche. Je vais pas vous mentir. Donc, merci beaucoup. Et moi, je me sauve. Je vais continuer à tout gérer. Non, mais toi, t'étais pas là ce matin. Donc, la thune, elle est pour Briette, mon gars. Ok, bah, bon courage. Allez, bisous. Ah, d'ailleurs, Six, pourquoi tu mets un overlap BO3 et sur un match en BO1? Oh putain, ça, tu l'aurais dit à 15h, j'aurais pété un câble. Moi, je suis hyper pointueux et tout. Là, j'essaie d'être en mode cool, j'essaie d'être en mode 2023, ok? Viens pas me faire chier parce que après, je vais gueuler sur Briette. Si la prod, je vous kiffe et niquez ce dictateur. Vas-y, ils font plus de thunes que moi. 350 euros, tu viens de leur donner. Ils ont même pas mis le bon truc. Et ça fait 2 heures, je ne dis rien. Je ferme ma gueule. Mais c'est du BO1. C'est du BO1. Il y a des trucs et tout en haut, là. Ça fait 2 ans que je leur demande d'enlever leur merde, là. Zyron, aide-moi, s'il te plaît. C'est Briette, les amis.
C'est Briette et Artaïk. Ces deux petits singes là, ils sont dans un laboratoire. Et ils s'en foutent en fait. Et moi j'arrive, je leur dis bon alors, sur quoi on a avancé? Ils en ont rien à branler de ce que je demande. Rien à branler. Et ils me font oui, bien sûr, hein, on va s'en occuper. Dès que je ferme la porte, ouais, tu veux voir ma bite? C'est que ça. Le campus de la SA, c'est que ça. Eh, hey, t'es un monstre. Eh, hey, c'est toi, Nanou, ou pas? Envoyé spécial BFM TV, en direct de l'Académie Ussel. Un viewer a claqué son pré-étudiant. J'espère que ça aidera émoticône souriant. Vous êtes des monstres, merci Tripo. Tous les anciens du staff du coup qui donnent de la thune parce qu'ils savent vraiment que ce que je dis c'est vrai. Je suis vraiment pas cool. Ah ouais, vraiment, je vous assure. Franchement, il y en aura forcément un. Un jour ça va partir sur Twitter. Oui, laissez-moi vous dire à quel point Sucat est un gros fils de pute. Merci Seitama pour les 2 mois de frais scolarité. Merci pour les 150 euros. C'est toi Nano qui vient de donner 350 euros là? Bah oui. Bah excuse-nous Nano. Excuse-nous l'autre. Bah oui, qui veux-tu? C'est pas vous les Français qui allez mettre 350 euros, bande de fils de pute. Chez nous 350 euros, c'est le prix d'un croissant. C'est dans les termes du contrat après que le CEO est un peu grincheux. Mais non, mais les mecs, moi j'aimerais bien ne pas être grincheux quoi, mais faut être pro et on n'a pas la thune. On essaie. Et moi j'ai envie de faire des trucs à la Zerator. Putain. Oh là là. Et déjà j'ai du mal à avoir zéro retard. Elle est technique, mais. La VAR, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est validée. Merci les poulets, merci vraiment Tripo, merci Saitama, please spammez ceux qui n'ont pas envoyé un petit GG dans le chat, il y a des personnes qui viennent de Nano, viennent mettre 350 balles et les autres qui mettent 5 euros, 15 euros, c'est énorme déjà, vous êtes des monstres les amis, vraiment. Et ils sont nombreux à la prod, hein. Donc dites-vous pas, ouais 400 pour une personne, ah non. Et ils sont nombreux. Bon, la plupart du temps, la plupart ne branlent que dalle, hein. Déjà la plupart ils sont tous arrivés, quoi 400 euros, ils ont entendu la thune. Ils vont arriver que maintenant. Ça fait plus de 5 heures que t'as un overlay en BO3, 6-4 et personne n'a rien dit. Mais parce qu'on peut pas l'enlever. Parce qu'on est en train de... Ouais, vas-y, les Ironcast, s'il te plaît. Viens, on le dit en secret. Va voir la personne sur Discord qui s'appelle Briette. Parce que moi, j'arrive pas à dire les choses avec gentillesse. J'arrive pas. C'est trop difficile pour moi. Donc dis-lui... Briette... Salut, je me présente, je m'appelle Zyroncast et je caste. Et je pense que vous avez mis un overlay de BO3 alors que c'est que du BO1 toute la journée. C'est pour après. Bah oui, Briette. Voilà. Voilà avec quoi je bosse, les mecs. Oh, 2 euros pour Oxide. C'est pour après. Et je rigole là. Ce matin, je rigolais pas. Hein. Ce matin, j'avais envie de les buter. Genre, au sens propre du terme. J'étais en mode, bah là, tu vois, je buterais bien un mec de la prod. En me levant, tu vois. Tiens, qu'est-ce que je ferais ce matin? Une orange, buter un mec de la prod. Ceci dit, on fait les héros de l'EHPAD lundi, du coup. Ah non, niquez-vous. Les héros de l'EHPAD, ça revient en mai, les amis. Non, je peux plus tenir, moi. La finale est en BO3 par défaut. Merci Briette, du coup, de... J'ai pas le... Vous voyez? C'est Briette, les amis. Hein.
Et taisez-vous. Après, il va vous endormir avec des trucs. Il va dire, ah, mais c'est au niveau du Web3 là, et du PHP. Parce que moi, je suis un développeur full stack. Et merci pour les 5 euros. Hein. Vous êtes des monstres. Merci, c'est à moi. Non, mais je te jure, il nous sort des trucs comme ça. Il nous fait, ouais, bah, c'est parce que là, je suis développeur full stack, les mecs. Et non, il a une voix comme ça plutôt. Et donc, vous pourriez pas comprendre 6-4 parce que t'es un peu con comme une bite. Et je lui dis, mais moi, je veux juste un truc propre, quoi. Non, mais on a taffé comme des tarés hier soir avec Briette et Kevin. Voilà. Donc, ça aussi, c'est la prod de la Salty Academy. Septembre, rien. Octobre, rien. Novembre, rien. Décembre, rien. Janvier, pas grand-chose. Février, pas grand-chose. 12 heures avant les Salty Duels. Wouah ! Putain, les mecs, je vais tout refaire. On va tout repartir à zéro, ça va être nickel. Et du coup, et moi, j'arrive et je fais, les gars, vous faites quoi ? Bah on bosse, mais vous devriez pas en fait. C'est comme les révisions, faut pas réviser la veille en fait. Merci pour les 2 euros, c'est Tama. Ouais. Pour le prime de risque subi par la prod. Pour la prime de risque subi par la prod. Merci Gauchemi, vous êtes des monstres. Merci pour les 40 balles, c'est monstrueux. Merci Pendo pour les 35 euros. Pour les 35 points de scolarité, c'est pas pareil. Mais ça revient au même. Plus cher. Merci Poulet, vous êtes des monstres. Vraiment. Merci, merci tout le monde. Merci pour eux. Mais c'est pas à moi de dire merci, vous dire merci vous-même. Moi, je leur fais un virement derrière. Perso, je révise à 99% du temps la veille et je me porte bien. Frère, tu peux pas te porter bien, ok? Tu joues à Rainbow Six, donc ta vie, elle est déjà foirée. Déjà, quelque part, notre vie, elle est un peu fucked up. Hein. Il y a genre 0% qu'un mec qui disait « Moi, j'aime bien jouer à Rainbow Six et je pense que je vais me présenter aux élections présidentielles. » Tu vois, ça n'arrivera jamais, ça. Bon, est-ce que c'est une référence? Je ne sais pas au final. Merci Gauchemi. Eh, Gauchemi, t'es un monstre, poulet. Ça, c'est pour moi, ça. Merci d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de payer leur droit de scolarité. Merci pour Nagromito, pour Lofio, Sacha, Eukti, Simon, Ghosty. T'es un monstre, poulet. Merci pour Nas, pour Tramplayer, pour JF, le super dodu, pour Jufly, qui se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de Gauchemi qui vient de donner 40 balles. Envoyez plein de GG, plein de cœur. Bande de radeaux. Vous êtes des monstres, vraiment. Plein de GG, plein de cœur pour Gauchemi. Merci poulet, ça me touche énormément. T'as remarqué que la commande .gg n'est pas utilisée par les modos depuis ta remarque? Non mais hier ça chauffait dans les chaumières. Dans les chaumières. Allez, 3-0 en tout cas pour Oxide. J'arrête pas de... Je parle même pas de la game, je suis désolé. Oh, oh, si il bouge. Il est un 1v1 que sur House? Non, Plane aussi et Yacht. On n'a pas vu Plane aujourd'hui de la journée. Bah ouais, ils ont enlevé Bartlett qui était la meilleure map de 1v1. Merci Gauchemi, vraiment, ça me touche énormément. Envoyé spécial BFM TV. Et merci Zyron pour les 5 euros. Oh putain, on va engueuler. Courage 6, c'est pas pire que la prod du bon. Merci Zyron, t'es un monstre poulet. Merci pour les 5 euros, vous êtes des monstres les amis, vraiment, ça me touche énormément. Et merci pour la prod. Oh là là, ADN. ADN, il stresse, hein. C'est le fait de s'être fait cut, ça. ADN, c'est plus le même ADN, hein. C'est pas le même ADN ou alors c'était Archery trop facile à battre.
Mais il y a un truc, moi il y, y a un coefficient de proportionnalité les amis, inverse, entre plus tu l'ouvres sur Twitter et plus t'es bon sur Rainbow Six. Je pense. Oh là là. Oh ouais, carrément, petit setup préplacé et tout. Oh là là, les caméras, il les a travaillées. Il a vu une vidéo de Stevix, les mecs. Bon, la IQ. En direct de l'Académie du Sel, un viewer a claqué. La France est pour la coke et les putes cœur cartes. Que pensez-vous de la partie pour le moment? Intéressant, tactique, stressant, le jambon, ça part sur un 7-0. Comment ça le sondage est raté? Ouais, il est bien le sondage, non? Eh les gars, eh, je leur ai dit, faites des sondages originaux, ok? Eh, dites, le sondage, trop mort de rire. Il y a du taf. Ok, les mecs? Là, il a tout donné, le modérateur derrière. Il a mis le jambon. Je sais pas pourquoi. Hein, mais c'est la première fois qu'ils font ça. En règle générale, les sondages. Nice! Il n'y aura pas 7-0. Oh là là, trop fort. Le sondage. c'est qui le modérateur que je le vire? Le sondage est propre, pas besoin d'hypocrite. Six. Non, il est bien, il est bien. Ça va. Là, y a un, là, je vous le dis, hein, là, y a un mec, il répond pas. Mais est-ce que c'était une blague? Là, il y a un modérateur, il s'est flingué, quoi. Ah bah, puisque c'est comme ça, moi, j'en ai marre! Je ferai plus jamais! Non, mais il est bien! Non, c'est moi. Ah, c'est Zoxy. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas Kenny. Kenny il fait pas de sondage. Kenny il faisait pas de sondage. J'ai rien fait, dis je me prends un scud. Mais arrête de penser que tu prends des scuds tout le temps, Kenny. Là je rigole, ok? What the fuck? Mais c'est quoi shotgun là? Mais what the fuck? Attends, c'est, le, c'est pas le, c'est pas un shotgun le truc, c'est... On dirait dans le film là. Merde, comment il s'appelle déjà? Excellent film d'ailleurs. Ah oh, fuck. Oh fuck. Comment il s'appelle? Le film, allez! Citez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi que vous regardez des bons films et pas de la merde. Aidez-moi, mon cerveau est trop fatigué, là. Oui, le film Pulp Fiction, Fury, Cars... Oh, allez vous faire enculer, Cars... John Wick, Snatch... Mais vous avez aucun goût, hein. American Sniper, Yo Stilly, pas du tout! Mais c'est nul, American Sniper, c'est ok! Léon, non, Top Story, non! Mais non, le truc! Le mec, il a un truc pneumatique, là! Avec Mark Wahlberg, 50 nuances de gris. Mais niquez-vous! American Sniper, c'est ok! Ouais, il est pas mal, il est pas mal, mais c'est bon, eh. Regarde le démineur, c'est au-dessus.
No Country for Old Men, putain. No Country for Old Men. Très très bon. Exceptionnel ce film. À pause. C'est sur Disney+. T'as vu Lupin 6-4? J'adore Omar Sy. Incroyable ce film. Incroyable. Vous l'avez jamais vu? Arrêtez le Salty Duel, c'est de la merde. À son ADN va se faire saucer. Allez voir. Ah bah oui, bah je pré-shot. Allez voir No Country for Old Men. Dans Léon, le shotgun, il tape aussi. Dans Léon. Dans Léon, le shotgun. Il n'y a pas de shotgun dans Léon. Ah. Quand il tue la famille. Gary Oldman ? On le voit pas. Au début, Gary Oldman. Oh, comment ça va, Chavez ? Le papa de Léon qu'elle a, les amis. Gary Oldman, au début. Ah, quand il met la musique ? Qui rentre ? Et qui bute la meuf dans la baignoire avec le trou. Ah, je me souviens plus du shotgun. Mais c'est un Mossberg normal, quoi. C'est bon. Y a pas de silencieux dessus. Oui, d'accord, ok. Bon. Non, mais regardez No Country for All Men. Le mec, c'est pas un shotgun. C'est flippant. Ce film est flippant. Dirty Dancing, ouais, ça pompe. Non mais c'est toi Nano là? Arrête mec. C'est pour la prod mec. C'est pour la prod. Je veux dire, bah, moi je m'attendais à ce que vous leur donniez 20€, tu vois. Oh là là. Non. Il a inventé l'intelligence. Bon, il a inventé le Easter egg au niveau de la tête aussi, mais... Et ce film est effectivement sur Disney+. Non, t'es sérieux? Eh, Nano, envoyez des GG, des cœurs. La personne n'a spammé, s'il vous plaît. Il vient de lâcher 50€, l'autre. Il a balancé 400 balles dans le chat. Ah, envoyez des GG, des cœurs, please, pour Nano. Django 6, t'en penses quoi? Ouais, c'est cool Django, mais c'est pas le meilleur, les mecs. Franchement. T'es un monstre, Nano, vraiment. Merci pour tout, les amis, merci pour eux. Peut-être qu'ils m'excuseront, la pilule passera mieux ce soir. J'irai les voir, je leur dirais les gars, parce que si j'étais allé les voir, je leur dirais bon désolé, franchement je m'excuse. Ils m'auraient dit non, je trouve que ton comportement, franchement il a été ridicule, machin. Là je vais arriver avec le billet, je vais faire les gars désolé. Ouais t'inquiète, y'a pas de problème, tu peux même baiser ma mère si tu veux. C'est sûr. Je les connais. Les 8 salopards aussi, incroyable, il est trop bien. Merci pour tout ce que tu fais sur le jeu. Ah, vous êtes des monstres. Merci Plotime. Merci les amis, vraiment, ça me touche énormément. Mais remerciez vraiment la prod. Ils ont pris cher. Et c'est pas fini encore. Il y a plein de trucs à prévoir. En ce moment, les nuits sont courtes. Merci les poulets, vraiment. Le petit impact à gauche là. Non. Il est blanc là.
Ça se passe par ici? Ouais, j'aime bien. ADN, se fait défoncer. Ça lui apprendra. Yes, on fait ça. Ça clique un peu. Ouais, voilà, ADN. Oxide lui a fait la fameuse... pose les couilles sur mon front. Ça fait un dindon. Donc il a pas kiffé. Ça prend 6-3 là. Je fais la vaisselle. Je regarde attentivement. Tu fais partie des gens bien qui ont pas de la vaisselle. Bravo. Je le savais que je pouvais compter sur toi. Let's go là, j'ai envie d'un overtime. ADN, il a tilt. Ah, c'est... tu lui as mis trop la pression, Archery. Tu lui as mis trop la pression, je pense. Il se rappelle encore de ton duel. Ah, je pense qu'il est comme ça. Ça sent. Nice. Coucou. Heureusement qu'on avait dit pas de skin quoi. Ah c'est un prolique ça peut-être. Peut-être un prolique. En vrai je m'en fous. What the fuck, j'ai 5 pubs. Bah ouais, parce que t'as un prime et tu le claques pas ici. Ça sent la fin, ça sent la fin. Allez ADN, pas comme ça. Oh. ADN! Vas-y, mais reload! Aïe, aïe, aïe! Vingt secondes. 15 secondes. Et c'est fini! 7 à 3, merci Zyroncast d'avoir offert à Kaido ses droits de scolarité pour plus qu'il ait de pubs et qui chiale parce qu'il a des pubs. Merci Zyron, c'est un monstre. Le monstre. Et c'est fini. Oxide au Vega. Oxide au Vega. Oxide point Vega. Oxide quoi. Vient de se défaire d'ADN. RIP. GG. Et c'en est terminé pour le deuxième quart de finale. Ladies and gentlemen, c'en est terminé pour le deuxième des quarts de finale. On va enchaîner directement avec le troisième. Le but du jeu, c'est pas de faire attendre trop les gens. Vous allez pouvoir voir dans quelques secondes l'update. Bah, c'est déjà fait. Oxide avance. Liquefac d'un côté, Oxide de l'autre. Derrière, on va passer du coup sur Len face à MX7. Et enfin, on aura JFK face à Matarox, j'imagine. Arteik. Je t'écoute. Donc, JFK et Matarox sont ready. Oui, ok. Oh. Eh ben, vas-y alors, si tu veux. Ça donc, tu peux les inviter, les caméras sont prêtes de notre côté. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. À un moment, faut que je boive. JFK. Ok. Et ensuite, Matarox. Je sais pas si je l'ai. C'est Matarox en face? C'était pas à nous? Non, non. Bah non, de toute façon, dans tous les cas, ça reviendra au même. Le temps d'attente maintenant est le même pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Si t'attends maintenant, t'attendras plus tard. Matarox.nd1.
Ok, c'est qui est-ce qui est en haut dans le dans l'arbre? JFK. Ok. JFK à gauche. Et Matarox. M-A-T-A-R-O-X. À gauche, JFK, s'il te plaît.